Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors ne faites pas attention à ma tête. Quoique là, avec la lumière, ça se voit pas trop en fait. J'ai très très peu dormi cette nuit parce que j'ai passé énormément de temps sur la vidéo que vous avez vue aujourd'hui, donc mercredi, c'est-à-dire le vlog Splash World en famille. Parce que j'avais laissé ma GoPro en réglage 60 images par seconde et en fait à monter, à produire et à mettre en ligne c'est beaucoup trop lourd. Donc je vais essayer la prochaine fois de filmer en 30 images par seconde seulement, en 1080. On verra si ça se passe mieux, mais là franchement ça a mis un temps, c'était interminable. Voilà, donc je me suis couchée très 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 tôt ce matin et j'ai pas beaucoup dormi pour que vous puissiez avoir la vidéo assez tôt dans la journée et pas à 21h le soir. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, vos petits commentaires nous font super plaisir à tous parce que bah là on est en train de les lire parce qu'on avait pas mal de choses à faire ce matin. Notamment emmener la voiture à l'entretien, tout ça, tout ça. Donc voilà, on a commencé à lire les commentaires que vous avez mis sous les vlogs Splash World, sous le mien et sous celui des enfants. Et franchement, on vous envoie plein de gros bisous. On vous dit merci et ouais, on s'est super éclaté et on espère vraiment qu'en regardant cette vidéo, c'est ce que ça vous a procuré comme sensation aussi. Voilà, que ça vous a amusé, que vous avez trouvé ça marrant et sympa. Parce que c'était vraiment le but de vous montrer un moment fun en famille, voilà, et de aussi pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire dans ce parc-là au cas où vous passeriez dans le coin. Donc voilà, vraiment merci. C'est vos petits mots sont adorables, ça nous touche toujours énormément, c'est ouais, c'est vraiment super mignon. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur la vidéo pour demain parce qu'on a aussi fait quelque chose d'assez sympa mardi et ça va me prendre un petit peu de temps aussi, mais logiquement, ça devrait mieux se passer pour transférer en ligne puisque là, je filmais avec mon appareil normal, donc en 30 images par seconde pour celles qui connaissent un peu les réglages, non, 25 même. Donc là, ça devrait aller beaucoup mieux. Et du coup, la suite du programme, je sais pas du tout, c'est un petit peu incertain aujourd'hui. Parce qu'il y a un vent, mais un vent, je crois qu'on a encore jamais eu un vent aussi fort depuis le début des vacances. Donc la piscine, c'est pas possible. Aller à la mer, s'il y a le même vent à la mer, ça va pas être possible non plus. Et j'ai quasiment plus de batterie. Donc je vous laisse de toute façon pour vous dire ce qu'on fait un petit peu plus tard dans la journée. Et en attendant, je vous envoie plein de bisous. À tout à l'heure. Et me revoici déjà parce qu'entre-temps, je suis allée voir quelques commentaires et j'ai vu que vous étiez plusieurs à me poser la question, à savoir ce qu'on avait mis comme protection solaire justement pour cette journée à Splash World. Et comme je les avais à côté dans le sac, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre. Alors, j'ai reçu il y a quelques temps plusieurs produits de la marque Daylong. Ça, c'est le Daylong Kids. J'ai reçu également, alors ça, c'est un lait. J'avais reçu, non, c'est un lait, oui. Si, c'est le lait, mais pour enfants. J'avais reçu également dans le packaging orange le lait normal, pas précisé pour enfants. À savoir que surtout, c'est marqué extra résistant à l'eau, peau extrêmement sensible au soleil. J'avais reçu également un tube plus petit et ça, c'est en format gel, enfin texture gel. Mais là, comme on partait à 4, je voulais pas prendre 36 000 produits avec moi. Donc, je me suis dit, je prends le produit pour enfants. Un 10-50, c'est juste parfait. Donc, extra résistant à l'eau avec pompe doseuse pour une protection efficace. C'est le laboratoire Galderma qui font ça. Très sincèrement, je ne connaissais pas du tout cette marque avant qu'on me l'envoie. Et comment vous dire? Ben, je pense que vous pouvez constater, alors en sachant qu'on en a mis partout, hein, sur le visage aussi, on a pris zéro coup de soleil. Voilà, je peux même vous dire qu'à un moment donné, j'avais le bas du dos qui me brûlait quand j'étais sur les bouées. Je me disais, là, c'est en train de taper, il devait être à peu près 14h30, 15h. Je me suis dit, tu vas rentrer à la maison, tu vas avoir la barre en bas du dos rouge écrevisse et tu vas bien souffrir. Et pas du tout. J'ai la marque de bronzage, mais je n'ai pas rougi du tout, du tout, du tout. Et à savoir qu'on en a mis le matin en arrivant à 10h. Et qu'on en a remis vers, c'était après manger, 14h, 14h30, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, juste deux fois dans la journée, on a passé notre temps dans l'eau et on a pris zéro coup de soleil. Donc, je sais qu'il y a plein de crèmes solaires qui sont très efficaces, j'en ai déjà testé d'autres qui m'ont pas déçu non plus. Mais voilà, la journée là, on a marché avec celle-ci, le Daylong Kids, et franchement, on n'a pas du tout été déçus. On a trouvé que ça marchait super bien, surtout du fait qu'on ait passé quasiment tout notre temps dans l'eau. Et ça, par contre, je suis pas sûre que j'avais déjà observé avec une crème, enfin une autre crème. C'est vrai qu'en général, je mets de la crème. Mais je vais pas trop 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 dans l'eau. Là, on était non-stop dans l'eau et elle a super bien tenu, zéro coup de soleil. Enfin voilà, je vais pas en parler trop plombes parce que je pense que vous avez compris que j'ai été très 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 agréablement surprise par l'efficacité de ce produit-là. Donc si vous ne savez pas quoi prendre comme crème solaire et que là où vous trouvez cette marque-là, franchement, je pense que vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper efficace. C'est tout pour la petite parenthèse crème solaire. Je vais retourner à mon montage et je reviens tout à l'heure. Take it any longer. I'm addicted to you.
Alors moi j'étais en train de laver les filles et je reviens, il y a ça à la cuisine. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Un apéro. Un apéro, ça veut dire quoi un apéro? Un bon apéro, un apéro LC. Oh là là, si tu commences à utiliser le mot LC, hein, on est fichu, ça y est. On est fichu. Ça y est, vous êtes propre. Ouh, ça change. Vous êtes de nouveau blanche. Enfin presque, hein. On fait ce qu'on peut. Eh oui. Oh, toi t'es une crapule. Doucement. Oh, tu es brute. Tu es brute. Et ma Lily. Oh, elle est jalouse, Lily. Allez, allez vous promener un peu pour sécher. Oui. Doucement. Ma poupée. Mmh. Oui. T'as passé une bonne journée aujourd'hui? Tranquille. On s'est reposé de hier et avant-hier. Il mmh. y a du vent, hein. C'est pas drôle. On n'a pas pu aller dans la piscine aujourd'hui. Il y avait vraiment trop d'eau. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, là, je pense que vous devez pas super bien nous entendre parce qu'il y en a encore beaucoup. Et vu qu'ici, ça marche par 3, 3, 6, 9, je pense qu'on va avoir du vent jusque vendredi. Non. On va voir. Si. Oh. Si, papa, il a dit peut-être vendredi, ça ira un peu mieux. Ou samedi. J'espère que oui. Samedi il sera beau. Oui. Pourquoi? Parce que on attend du monde samedi. Bah du monde. Ah, ça s'invite sur nos genoux quand on est assise. Oui, sur ma main, pas sur moi. Tu attends du monde? De la famille? Oui, mais pas du monde quand même. Ils sont pas nombreux. Hein. Bah, 4 personnes en plus, ça fait pas mal dans une petite maison. Ça fait 8. 4 plus 4. C'est déjà bien, ouais. N'est-ce pas? Il y a aussi ta mamie qui vient. Ouais. Donc ça fera 5 en plus. Avec nous 9. Puis alors on compte pas les chiens. Parce que si on compte les chiens, on est fichu. On est fichu. Donc là j'attends que le chéri ait terminé de me préparer son petit apéro Elsie surprise. Je sais pas du tout pourquoi il a eu cette envie là. Il avait envie voilà, de me préparer un espèce de petit apéritif dînatoire avec plein de légumes, du poisson, tout ça, tout ça. Donc ben, j'attends avec impatience. J'essaie de pas trop regarder ce qu'il fait pour que ce soit un peu la surprise. Je vous montrerai dès que ce sera fini ce qu'il m'a préparé, enfin ce qu'il nous a préparé, parce qu'à la base il l'a fait pour moi, mais il l'a fait pour tout le monde. Et, et donc ben, là ça devrait être prêt d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc on vous dit à tout à l'heure. Et voilà, je vais me régaler. Bon d'accord, tu auras le droit d'en manger aussi. Ouais. Bon d'accord, toi qui les as préparés, tu pourras en manger aussi. Alors, il y a quoi? Des petites brochettes avec poulet et différentes variétés de petites tomates. Ah, elles sont trop belles, les tomates de toutes les couleurs. Des petites brochettes de tomates exclusivement. Après, on a décliné avec du jambon. Mmh. Après j'ai fait avec des crevettes et concombres cette fois et quelques bouts de tomates pour changer un peu. Et la sauce? Et les sauces arrivent. Les sauces arrivent, ok. Yeah. Et là on a des carottes, des petites tomates et des crevettes. Des crevettes avec une tomate. Miam miam. Les sauces sont arrivées. Alors on a quoi? Une sauce fromage blanc et... Balsamique, c'est ça? Oui. Et une sauce... Fromage blanc, sel, poivre, ciboulette et un petit peu de basilic. Pas de citron?
Il arrive après. Après le citron. En fait, tu l'avais oublié le citron. Si tu veux. Je rigole, c'est trop bien ce que t'as fait. Ça a l'air trop trop bon. J'ai trop faim. C'est quand qu'on peut manger ? Les concombres, c'est pour moi. Toi et moi, va falloir qu'on s'explique. Non. Si. Non. C'est tout pour moi et je t'en donne un peu. Tu prends ça et ça, moi je prends ça et ça. T'en prends un, t'en prends un. Et j'en prends un. Mais tu veux tout me manger en fait. Alors franchement, on se régale, hein Poupette. Mais le chéri, il est passé à la confection du dessert. Donc pour l'instant, il nous laisse commencer tout. Il veut tout nous faire. Il veut tout nous faire. Oui, il nous laisse commencer toute seule. Et je voulais juste vous préciser qu'on a trouvé les petites tomates oranges là, toutes petites. Et qu'elles sont super bonnes. Un peu sucrées. Comment elle s'appelle celle-là? Tu te souviens pas? Il n'y avait pas marqué en fait. Je crois pas qu'elle avait marqué parce qu'ils les ont tous pesés ensemble d'ailleurs. Mais voilà, je sais plus du tout ce que c'est, mais c'est super bon. Ça n'a pas le même goût que les autres tomates, c'est bon. Voilà. Et donc ça, ce sera pour le dessert. Mais là, on va le remettre au frigo en attendant d'avoir fini ça, parce qu'on n'a pas encore fini. Et du coup, t'as mis quoi sur les petites brochettes de fruits là? Pastèque, kiwi. Nectarine blanche, nectarine jaune et kiwi. Ça a l'air frais, ça a l'air trop trop bon. Alors je vous retrouve après manger, on s'est régalé. C'était super bon, un repas fait de légumes, un petit peu de poulet avec crevettes, jambon et fruits. Et franchement, ouais, ça fait du bien, c'était frais, c'était génial. Là du coup, je voulais juste revenir vous préciser pour celles qui se poseraient la question que le petit ananas avec les petits pics pour les brochettes de fruits, on l'avait trouvé chez Maison du Monde pendant les soldes, mais je sais pas s'ils le font encore, ça je sais pas du tout. Et donc j'arrive à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être donné des petites idées pour vous faire un petit apéritif dînatoire en mode Elsie. Voilà, et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.